Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de Je Flash, ou plutôt Je Flash en mode de jeu équipé version hack d'un jeu sur Super NES, à savoir International Superstar Soccer, oui, qui est connu sur une version du jeu que je viens de citer, enfin une version hack, d'une version, comment dirais-je, du jeu que je viens de citer. Il s'agit donc de Ronaldinho Soccer 98. Alors, je vous souviens, alors c'est une version hack, et qui plus est, oui, une version hack du jeu Superstar, enfin oui, Superstar Soccer sur Super NES. Alors oui, donc comme vous l'avez remarqué, étant donné que c'est une version Super NES, et qui plus est une version, littéralement, mais une version hack du jeu Super NES, tout est en portugais. Alors oui, donc c'est la suite de celui qu'on vient de tester, à savoir Ronaldinho Soccer 97, et là c'est la version 98. Alors, attendez. Voilà, bon, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est une version, comment dirais-je, c'est vraiment une version hack du jeu Superstar Soccer. Il n'y a pas à dire, franchement, c'est le jeu est bien tel qu'il est, ça va, c'est franchement. Alors attendez, parce que là on a déjà fait le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Vous voyez ce que là c'est les clubs les autres clubs sud-américains. Là il y a Peñarol, Boca Juniors, River Plate. Oh, il y a du beau monde. Ah, ça sont les sélections Europe, America A, America B, Brésil 97, 58, Seleção au Brésil. Alors c'est probablement la véritable équipe nationale du Brésil, je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est bel et bien une version hack du jeu International Superstar Soccer 2 sur Super NES. Alors j'ignore totalement qui est l'auteur de cette version hack de ce jeu de foot sur Super NES, mais franchement ça va, le jeu, franchement, le jeu est vraiment, mais tel qu'il est, franchement. Alors attendez, on va voir si on peut se faire, bah tiens, on va se faire, voilà, on va prendre la non, c'est juste, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de bouton. Alors attends, on va prendre l'Ajax et on va prendre. Bah tiens, le FC Barcelone. Allez, pourquoi pas. Ah oui, j'ai les. Bon, bien sûr. Bon, alors comme vous l'avez certainement remarqué, tout est en portugais. Mais ça va, même si c'est en portugais, on arrive mieux à comprendre. Donc c'est parti pour ce petit match 100% européen entre l'équipe de l'Ajax Amsterdam, un des meilleurs clubs du championnat néerlandais, opposé à l'équipe du FC Barcelone. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de l'Ajax Amsterdam suivis du FC Barcelone. Donc les joueurs de l'Ajax Amsterdam jouent en blanc et rouge. Face à eux, l'équipe de Barcelone, enfin du FC Barcelone, qui joue avec leur couleur traditionnelle, le bleu et le rouge. Nous sommes. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ce sont les Hollandais qui attaquent. Attention, parce que là, pour l'instant, là, il faut vraiment que. Là, c'est vraiment, mais ce qu'on peut appeler, mais un match digne d'une compétition de Ligue des Champions. Hein. En plus, ça tombe très bien, étant donné que la version 97 était assez bien. Or, la version 98, ben, c'est exactement la même. C'est les mêmes équipes, les mêmes joueurs. Bref, c'est exactement un papier-coller de la version 97. Et je vous rappelle encore une fois, il ne s'agit pas d'un véritable jeu Super NES, mais plutôt une version hack d'un jeu Super NES sur Superstar Soccer 2. Voilà. Attention, parce que là, ce sont les Catalans qui ont de nouveau le ballon. Figo. Luis Figo, qui a porté les couleurs du FC Barcelone, qui a aussi porté les couleurs du Sporting Portugal, ainsi que du Real Madrid. De Boer, Bogarde, Guardiola, Figo, Figo, Enrique, surpris par Siloy, Davids, ancien joueur de l'Ajax, et aussi de la Juventus de Turin.
joli arrêt du gardien, c'est bon. Joli arrêt du gardien Edwin van der Sar. Ah oui, Jari Litmanen, oui, je me souviens de lui. Je sais pas si vous vous souvenez de ce joueur, c'est un international, oui, c'est un footballeur finlandais qui a remporté la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam en 1995. Qui a aussi porté les couleurs de l'AJK Helsinki. Stoïkov. Ah, il y a du beau monde. Giovanni qui a aussi porté les. Ouais, international brésilien qui a aussi porté les couleurs du club de l'Olympiakos Le Pirée dans le championnat grec. Ballon repris par Ronald de Boer, David Kanu, l'international nigérian, Couto, Figo qui passe à Guardiola, repris par Finidi du côté de l'Ajax, Moussampa, Kanu. Moussampa! Ah, non, il a perdu le ballon. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Allez, c'est parti. Allez, oui, voilà, c'est bon. Le ballon est de nouveau repris par les joueurs de l'Ajax. Non, mais ça va. Franchement, le. Bon, d'accord. Je sais que ça doit être une version hack, et qui peut être une version piratée du jeu. Superstar Soccer 2 sur Super NES, mais franchement ça va. Franchement, la personne qui a créé cette version hack a vraiment une belle idée en tête. Hein. D'ailleurs, si vous testez la version 97 ou 98, ça ne changera quasiment rien, étant donné que les deux jeux sont ensemble. Et si vous voulez tester ce jeu ainsi que la version 97, je mettrai le lien en bas de la description, comme ça vous pourrez le tester, pourquoi pas. Allez. Ferdinand Couto, international portugais, tout comme Luis Figo, Kanu, international nigérian, a repris par Angel Nadal. Nadal, à ne pas confondre avec le tennisman, Kanu, attention, il a repris. Est-ce que... Oh non, dommage. Attendez, c'est pas fini. C'est dommage, parce que là, franchement... Comment ils ont assuré? Et c'est un dégagement. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Litmanen, international finlandais. De Boer. Repris par Giovanni du côté du Barça. Repris par les joueurs de l'Ajax. De Boer. Kanu. Repris par Sergi. Guardiola. Qui est aujourd'hui entraîneur... Oui, parce qu'il a été joueur, mais est-ce qu'il est entraîneur de quelle équipe déjà, Guardiola? C'est Manchester City ou Chelsea, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, 0-0 entre l'équipe de l'Ajax Amsterdam et celle du FC Barcelone. Dans un match totalement mais serré à bloc. Bon, espérons que nous verrons un petit peu plus de buts, tout comme celui du match précédent. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match, ici au stade du Nou Camp, à Barcelone, à vos paris. Et nous sommes de retour ici au stade du Nou Camp, à Barcelone, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match bien palpitant entre l'équipe du FC Barcelone à celle de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. 0-0. Allez, c'est parti. Espérons que nous pourrons voir ne serait-ce qu'un quelques petits buts. Allez. Ronald de Boer. D'ailleurs, Ronald de Boer, il a aussi un frère qui est Franck de Boer. Luis Enrique qui est touche pour le Barça. Allez, Giovanni, voilà, David, Bogarde, repris par Figo, Luis Figo du côté du Barça, Luis Enrique, Guardiola, il passe à une nouvelle fois à Luis Figo, et nouvelle touche. Bon, quelque chose me dit que ce match promet d'être un petit peu, comme on dit, serré. Il y
D'ailleurs, le match est serré. Mais vraiment. C'est reparti. Giovanni du côté du FC Barcelone qui passe à. Ah, ben, si vous voulez faire une passe à Rivaldo, mais il est repris par Finidi. Moussampa. Moussampa. Nadal. Repris par Giovanni, nouvelle fois du côté du FC Barcelone. Stoïkov, l'international bulgare, lui aussi il a porté les couleurs des Catalans. Oh, attention! Ouverture du score de l'équipe du FC Barcelone. Et ben GG, franchement, et le but est signé Luis Enrique. Et ouverture du score des Catalans. 1-0 donc pour le FC Barcelone. Oh là là là, ça me rappelle le fameux match que j'avais lancé entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Attention, parce que là. Attention, attention, risque. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et l'arrêt du gardien du Barça. Alors, si vous nous rejoignez, l'équipe du FC Barcelone mène 1-0 face à l'Ajax Amsterdam. Allez, Luis Figo. Luis Figo, repris par Bogarde du côté de l'Ajax. Kanu. Kanu. Bogarde. Les joueurs de l'Ajax qui peuvent encore égaliser s'ils le peuvent. Et encore un autre arrêt magistral du gardien de l'Ajax. Du Barça, pardon. Allez, on reprend. Luis Enrique. Luis Enrique. Et non, c'est bon. Joli arrêt du gardien de l'Ajax, Van der Sar. Edwin Van der Sar. Litmanen, repris par Abelardo du côté catalan. Rivaldo, international brésilien. Litmanen, Jari Litmanen. Moussampa. Enrique. Kanu. Kanu. Attends, est-ce que. Non, 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 ça passera pas, ça passera pas. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé une petite égalisation de l'Ajax. Je sais pas pourquoi, mais bon. Allez. Alors qu'on en entre déjà dans le dernier quart d'heure de ce match. Pour l'instant, le FC Barcelone mène 1-0 face à l'Ajax. Giovanni, Figo, repris par Luis Enrique. Luis Enrique. Il peine, ça passe pas. En bataille à mort du côté des deux équipes pour la possession du ballon. Couteau, Faldino Couteau. Est-ce que oui? Il est toujours marqué par Luis Enrique. Yeah! Magnifique. Attendez, on va voir ça parce que là, franchement, ça mérite un petit ralenti. Oh, GG! Mais GG! Bon, ben je vois que quelque chose, que visiblement on a. Je crois que la messe est déjà dite à l'avance. Donc le Barça mène 2-0 face à l'Ajax. Et non, non, ça suffira pas. Bon, de toute façon, le match va pas tarder à se terminer. Et le FC Barcelone a totalement mais remporté ce match. Mais avec une victoire, mais haut la main. Oui, monsieur, parfaitement. Allez, dernière tentative pour les Hollandais de sauver l'honneur, mais malencontreusement, ça ne suffira pas. De bord. On va préparer du côté catalan. Guardiola. Guardiola. Il passe, il passe, il passe. Un bien petit but pour la route peut-être. Stoïkov. Stoïkov. Va-t-il passer? Va-t-il passer? Est-ce qu'il va passer? Oui, force, il porte. Ouh là, ça passe juste au-dessus. Ce qui donnera un corner pour les Catalans.
un petit corner et ensuite ça sera tout. Étant donné que le match va pas tarder à se terminer. Et non, c'est bon. Le game blanc est repris par Edwin van der Sar du côté de l'Ajax. Et c'est terminé. Termino. Autrement dit, terminé. Et ben victoire. Belle victoire donc du FC Barcelone qui l'emporte face à une équipe de l'Ajax Amsterdam qui malencontreusement n'était pas dans un bon jour mais qui a quand même lutté jusqu'au bout. Donc victoire du FC Barcelone sur l'Ajax Amsterdam 2 à 0. Voilà donc mesdames et messieurs, c'était donc la fin donc, de ce petit test de jeu flash. C'était donc Ronaldinho Soccer 98 qui est une version hack de International Superstar Soccer 2 sur Super NES. Et voilà, donc, quand je dis hack, c'est une version pirate. Du célèbre jeu sur Super NES ou Super Nintendo, ça dépend comment on l'appelle. Donc si vous voulez tester ce jeu, je mettrai le lien en bas de la description, pourquoi pas. Voilà donc, je vous rappelle le score. Victoire du FC Barcelone sur l'Ajax Amsterdam. Voilà donc 2 à 0. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests. Ici, au stade du Nou Camp à Barcelone, à vous Paris. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exceptionnel.